Hello, 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 comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Tout simplement que tu as un peu plus de soleil. Moi, j'ai du soleil, mais il s'en va, il vient, il s'en va. C'est un peu frais, donc ça va. On parlait de ce matin que c'était très très chaud, donc ça va. Moi c'est Flo, bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Demi, les énergies demi. Je vais faire donc les énergies et j'avais envie d'être accompagné de mon grand ami Anubis, Ampoua Anubis et de Khonshu. Anubis, le voici. Anubis avec cette belle carte qui fait papyrus, parchemin, qui est la transformation. D'accord? Et Khonshu, qui lui est l'ermite, l'ermite, ermitage, ermitage, ermite. Comme ça, on a en fait ce que je veux. Bon, déjà, c'est que mes deux amis m'accompagnent et je veux avoir des énergies un peu plus, on va dire, solitaires. Des énergies, l'autre jour c'était des énergies donc extérieures à nous. Ben, aujourd'hui j'aimerais bien des énergies. Bon, je vais les poser où? Là. Des énergies donc plus solitaires avec donc le conchou et des énergies aussi. Ben, on va penser à soi, hein. On va penser à nous aujourd'hui. Des énergies donc avec Ampou. Anubis, des énergies qui vont être un peu plus aussi pour la transformation, les transformations à venir, transformation, évolution à venir. Je vais prendre, il y avait un petit moment, le 77, le 77 de l'esquet, et on va se faire ça. Est-ce qu'on fait signe par signe? Allez, on commence par le bélier. Le bélier. Alors le bélier, il y a une carte retournée, c'est la carte des arts. La carte, voilà, la guitare, la musique, les arts, la carte des arts, ça peut être plein de choses. Donc là, on a une énergie créative ou créatrice. Et là, c'est en fonction de tes projets, de... Donc pour les béliers, hein. Reste tout seul. Donc je sais pas. Tu vois, solo. Là, création en solo. Création en solo. Ou transformer une création déjà à toi, mais la transformer, mais en solo. Ce sont les énergies avec. Donc je vais faire comme ça pour tous les signes. Hein. Et ben je reste sur la création, créativité. Et c'est les arts. Là, j'ai la lune. J'ai envie d'aller dans les étoiles, j'ai envie d'aller dans une... Un peu un... Alors, je t'ai dit quoi, les arts, peut-être... Est-ce qu'on irait dans les arts un peu lunaires, un peu divinatoires, un peu... comment on dit art? Oh, allez, j'ai plus le... Pas grave. Bref, voilà pour le bélier. Pour le taureau. Alors, on garde toujours la base, et puis le soutien, donc la base avec, avec mes guides Ampou et Khonshu, transformation et ermite. Donc là, ça nous concerne vraiment nous, nous et nous en solo. Là, on est un petit peu égoïste, ça va être nous en solo. Donc taureau, taureau, l'énergie est au repos. Voilà les cartes qui sont tombées. Alors je vais prendre que les deux du haut, hein. Je vais pas prendre plein de cartes. J'ai commencé par deux, sinon je m'en sortirai pas. Il y a 12 signes. Les énergies sont au repos. Justement, peut-être que tu es en manque d'énergie. Et le repos,
Là, il y a un besoin de repos pour justement redémarrer, hein, un besoin de repos, peut-être de s'isoler un peu, de faire l'ermite, de méditer un peu. Allez, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Là, il y en a deux qui sont tombés. Non, il y en a trois, mais je pense que c'est de là. Ah, Gémeaux, ouais. Surprise. Là, on a. Les énergies sont à la surprise. Donc, énergie, oups, surprenante. Surprenante et en mouvement, mais il y a quelque chose qui vient. Alors, c'est vrai que pour tous, j'ai lu que deux. Là, il y a celle-là qui, avec la voiture et avec la surprise, peut-être une prise de décision, une prise de décision toujours dans le sens de soi, pour soi-même, avec, je vais le dire pour Jacques Signe, avec Khonshu, donc le côté ermite, le côté solo, et dans un but de se transformer. Donc, c'est pour soi. Tu vois, là, c'est un travail sur soi, en fait. Et puis là, tu vois, là, on est aussi dans ce genre d'énergie, des énergies de décision, mais de décision pour soi, pour soi, pour transformer quelque chose, mais c'est pour soi tout le temps. Cancer, cancer, petit crabe, que nous attend? Qu'est-ce qui nous attend à nous, les petits crabes? Hop. Donc, toujours pareil. Ah. Alors, celle-là. La lune, la lune, la lune. Et puis, si. Alors, je vais regarder, mais. Parce que à chaque fois, je me plante. Enfin, c'est pas que je me plante. C'est qu'avec leur. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est la nuit. C'est la nuit. On a la lune. Les énergies. Alors. Bah moi je suis cancer donc ça me parle beaucoup. Transformation solo et donc là on pourrait aussi être dans la méditation, dans des énergies bah, lunaires là pour le coup, très très lunaires et des énergies à travailler le soir. Peut-être que justement les énergies, nos énergies à nous les cancers sont beaucoup plus en activité la nuit et avec la lune. Travaille avec la lune. Travaille avec la lune. Fais des petits rituels de lune. Lion. Lion, lion, lion. Oui, alors je fais vite fait, hein, comme je te dis, sinon comme ça fait pas des longues, longues, longues vidéos. Et puis, ça fait moins de blabla. Lion. Il y a le silence et il y a la patience, des énergies de patience, tu vois. Ermite, ermite, l'ermite. Ouais, je la prends en silence et en patience. Les choses sont en train de se mettre en place pour toi, Lion. Les énergies sont en train de se mettre en place. Mais sois patient, ça s'aligne, tu vois, ça c'est en train de s'aligner. Donc, un peu de patience. J'insiste sur le côté solo. Hein. C'est vraiment là, on est. Bah là, je te fais une vidéo très dans le côté égoïste. Hein. Bah, c'est pas égoïste de penser à soi, mais très pour soi. Hein. Là, c'est nos énergies à nous. Vierge. Ah, attends, celle-là, elle s'est retournée. Et il y en a une autre en dessous. Alors, vierge. Bah, allez, je vais prendre les deux. Hein. Vierge, vierge, on a des énergies, je ne sais pas si dire divines, mais des énergies en tout cas belles, énergies, énergies amoureuses aussi. Et avec cette spirale, c'est comme si bah, l'énergie. Prends enfin une direction. Tu vois, ton énergie prend une direction, prend. Peut-être qu'elle trouve la sortie de. Je sais pas. Tu vois, comme si tu tournais en rond, tu tournais en rond, et que là, la solution, donc, pourrait se présenter.
Donc là, les énergies sont en train de circuler. C'est comme si tes énergies, ouais, stagnaient, en fait, et que maintenant, elles vont se remettre en mouvement, se remettre en activité. Elles vont être fluides, voilà. Un peu plus de fluidité. Il y a le côté divin avec cette carte, protection divine, et il y a le côté aussi amour. Donc, des énergies très belles pour toi, ami vierge. Balance, balance. Alors attention, parce que quand on joue, lui, avec la balance, il connaît la balance. Non, pas quand on joue, pardon, Anubis. Anubis, c'est la balance. Alors, eh ben, on va commencer, hop, par les deux personnages qui pourraient être une rencontre, qui pourraient être conversation, discussion, entretien, et on a le bateau. Il y a le côté de lenteur avec le bateau, mais il y a le côté de voyage. Il y a peut-être un voyage en solitaire, tu vois. Peut-être que tu as besoin, non, pas que tu as besoin, mais peut-être que voilà, tu vas te faire un petit voyage en solitaire ou un déplacement. Et un déplacement, tu vois, il y a quand même la lenteur. Donc là, les énergies, elles sont en mouvement, mais c'est lent. Et ça se déplace, en fait. Donc c'est pour ça que je te... Voilà. Et ouais, je suis en train de bugger avec celle-là, mais non. Ouais. Les énergies des énergies qui se rencontrent. Je vois deux énergies, je ressens deux énergies qui se rencontrent avec lenteur, mais deux énergies qui se rencontrent. Alors, ça ne veut pas spécialement dire que tu vas rencontrer quelqu'un, parce que là, comme je te rappelle qu'avec Kung Fu, on est dans le solo, et puis on est là dans quelque chose de très personnel. Ce sont nos énergies, pas des énergies extérieures à nous, comme. De ces derniers jours, là c'était des énergies extérieures, là c'est vraiment notre énergie à nous qui, avec la notion de transformation et de ben justement énergie à nous avec Kung Fu, transformation avec un pou. Et là il y a du mouvement, c'est lent et on part quand même à la rencontre. Donc il y a les énergies qui se rencontrent. N'oublie pas que y a le côté transformation avec Ampoule. Donc transformation, énergie qui se rencontre. On peut avoir une fusion d'énergie pour avoir une nouvelle énergie. En tout cas, il y a c'est dans cette notion-là. Scorpion, scorpion, scorpion brille, scorpion avec ce soleil, des énergies brillantes. La lumière. Alors là, ce qui me vient comme énergie, c'est un peu comme si tu aurais trouvé la lumière. Tu verras toi. Comme si tu trouvais la lumière ou que tu allais enfin vers la lumière ou que tu... Pardon. J'étais surprise. Que tu allais sortir, tu vois, je sais pas. Sortir de quelque chose attiré par la lumière. Toujours attention, quelque chose de solitaire, on reste avec Kung Fu, quelque chose de assez solitaire, il y a une énergie très ermite. Hein. De toute façon, 12 fois je vais répéter la même chose, c'est des énergies très personnelles à nous. Et la transformation, donc voilà, brille, brille pour te transformer. J'ai la vision d'un phare, je te le dis. La vision d'un phare. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Il y a plein de bestioles qui volent dedans. Sagittaire, Sagittaire, là on a la création, on a l'argent. Et on a une évolution. Tu as les énergies, tes énergies qui vont se. Là, toi, tu vas dans une transformation, dans une évolution, mais vers le haut. Et du coup, quoi?
du coup, regarde, ben voilà, il y a une élévation, il y a quelque chose. Argent, création, en tout cas, tes énergies grimpent. Mais attention, donc du coup, tout ça, c'est quand même en solo, hein, d'accord? Pas de, là, on n'est pas dans des associations, quoi que ce soit. Capricorne. Capricorne, on a une énergie naissante, forcément transformation, hein, donc énergie naissante, et ah bah peut-être que justement tu sors du brouillard, peut-être, tu vois. Alors là, j'ai presque envie de te dire peut-être qu'une période de réflexion peut être bienvenue, ou tu es dans une période de réflexion que tu es un peu perdu, tu sais pas, et là les énergies en fait vont enfin voilà se changer, et il y a une énergie naissante, donc une nouvelle énergie. Ça correspond bien, hein, avec ah, mais je suis content, merci Ampou et Anubis de m'accompagner. Verseau, à ton tour. La nostalgie, des énergies nostalgiques, des énergies, encore une fois, des énergies. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit pour celle-là? Parce que je sais que c'est. Ah, des discussions, ouais, non, c'est des énergies. Donc, mais moi, je sais pas si tu l'entends. Je vais rester dans la nostalgie, et peut-être qu'on te demande de, peut-être que justement c'est là où est la transformation pour tes énergies. Puiser dans la nostalgie. Je sais pas, j'ai nostalgie, mais ça c'est pas forcément nostalgie, je sais, hein, le chapeau. C'est pas forcément nostalgie, moi je, là elle ressort avec, comme ça, avec la nostalgie, peut-être nostalgie de personne, de discussion avec quelqu'un avec qui tu discutais beaucoup, je sais pas, tu vois, il y a quelque chose comme ça, et ces énergies sont présentes, donc peut-être là aussi, donc Khonshu. Avec Khonshu et le côté ermite, ben, avoir une petite réflexion solo, et avec Ampou et la transformation, et bien transformer ces énergies, de toute façon elles vont se transformer, il y a une transformation là qui se fait. Alors là par contre, je suis pas sûr que ce soit 100% positif, ou alors c'est pas que ce que je ressens, c'est pas négatif, hein, mais c'est peut-être difficile, ouais, peut-être difficile. Ouais, ça m'a l'air un peu plus compliqué pour toi que pour les autres signes. Attends, je vais t'en prendre une troisième. Là, je vais prendre une troisième parce que ça m'a l'air un peu plus compliqué que pour les autres signes. Enfin, tu vas peut-être en baver un peu plus. Tu tournes en rond. Peut-être que tes énergies, elles stagnent dans une certaine nostalgie. Alors, j'espère que ça va te parler. Mais c'est ce que... Voilà. Tes énergies sont en train de stagner dans une certaine nostalgie. Bon. Ampou va t'aider à sortir de là, puisque Ampou, c'est la transformation. Poisson. Les vois jaunes, non, moi je les vois jaunes, tu les vois, le bord, je sais pas, quand je suis comme ça, je vois jaune, jaune fluo, alors que là, non. Alors, poisson, les énergies s'accélèrent, pareil, tu vois,
il y a une accélération des énergies pour toi. Et là, on a quand même l'équilibre. Un équilibre à trouver. Hein. Là, il y a un équilibre à trouver pour poursuivre cette transformation. En plus, Anubis, encore une fois, tout à l'heure, j'avais une balance. Là, j'ai à nouveau une balance. Donc, attention, j'ai envie de te dire, à bien équilibrer tes énergies. Attention à bien équilibrer les énergies, parce que là, il y a une rapidité. Hein. Il y a quand même ce côté, cette notion de rapidité. Les énergies, là, sont rapides. Voilà. Et ben voilà pour. Ah ben c'est cool, ça dure pas très longtemps. Ben voilà. Donc si tu rien du tout, hein, tu peux, si tu veux mettre un petit pouce, mets un petit pouce. Si tu veux pas, bah, c'est pas grave. Je t'en voudrais pas. Tu peux t'abonner aussi. Ça serait sympa. Et partager, etc. Que je puisse faire évoluer un petit peu la chaîne. Et n'hésite pas à me mettre des commentaires, que je puisse voir si ça te plaît ou pas. Et comme tu disais, si tu as des questions que je peux traiter en vidéo, en carte ou même des questions autres. Hein, tu veux qu'on parle un peu des énergies ou d'un bouquin, ou etc. etc. On peut. Et voilà, donc comme je te disais, hein, si tu veux qu'on fasse un tirage sur je sais pas, voilà, bref, je pense que tu as compris ce que je te demande, et sur ce je te dis donc à très très vite, peut-être à demain, parce que là en ce moment c'est vrai que tous les jours en rentrant j'ai envie de faire une vidéo. Donc je la fais tout simplement, et ce système là moi me plaît, enfin ma nouvelle méthode là avec les énergies me plaît et me correspond un peu plus, puisque je travaille les énergies et je développe mes énergies. Donc si je peux t'aider aussi à développer les tiennes, on développe pas les énergies, je veux dire à travailler les énergies, à les faire évoluer, à les garder le plus haute possible, en tout cas voilà. Bref, ciao ciao, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Allez, santé. Je me vois mon petit lait de noisette. C'est super beau. Allez, ciao, j'arrête. Ciao ciao ciao. On va faire comme ça. On va se quitter avec Antou et Conchou. Voilà, pour qu'ils t'accompagnent aussi dans ces énergies. Et je vais leur demander de prendre soin aussi de tes énergies. Voilà, les amis. Ciao, ciao.